à Asia, petite bourgade de 1500 âmes, par 69,30 degrés de latitude nord. Bienvenue au Groenland, avec pour guide un marin du grand large, Thierry Dubois. Merci. Il est top. Depuis 2011, Thierry arpente ce pays encore indemne avec des yeux de gamin. Découvrir et faire découvrir, partager pour mieux apprécier, tel est son désir depuis toujours. À 45 ans, il est là où il voulait être. Moi, j'ai rêvé aux récits, aux histoires de ceux qui travaillaient sur leur bateau, vivaient sur leur bateau, cet ensemble de choses que l'on pouvait trouver sur nos côtes françaises. Il y a 150 ans encore, quand il y avait des caboteurs à voile, les chasse-marées, les lougres, ces bateaux qui faisaient du fret de petit port en petit port, c'était souvent capitaine armateur, les goélettes qui faisaient le fret dans les îles du Pacifique, Henri de Montfred qui faisait divers commerces plus ou moins licites avec son boutre en mer Rouge. Ça faisait vraiment partie de ce qui m'avait fait rêver et comment moi je pouvais transcrire ça au jour d'aujourd'hui. Charter aux Antilles, très peu pour moi. Conduire l'autobus pour des voyages organisés, non. Des vacances hors des sentiers battus, des circuits traditionnels, voilà ce que propose aujourd'hui Thierry Dubois. Adepte de ces formules qui fleurent encore bon l'authenticité, Hervé et Sandrine mettent sac à bord de la Louise, la goélette que Thierry a fait naître de ses mains en 6 ans. Tu te glisses entre la vedette et nous. Tu peux aller larguer devant, s'il te plaît, Hervé. Le programme du jour de la Louise, partir à la rencontre des baleines franches. Elles aiment venir flâner au large d'Aasiat, situé sur la pointe sud de la vaste baie de Disco. Vas-y. Je vais sortir du chenal d'abord, mais amarre-toi déjà si tu veux. On va pas aller au village d'Akinak, on va aller au nord, parce que si on n'en voit pas avant, on va aller jusqu'à là-bas. On sait que jusqu'à là-bas, il peut y en avoir. Donc le défi de tout le monde, c'est de faire la photo de la baleine qui sort ou qui monte sa queue, mais devant un glaçon. Faut que tu arrives à avoir les deux dans l'alignement. Mais ça, enfin, je vous fais confiance avec Photoshop. Ça, il n'y a pas de moins deux. Ça souffle bien. Ah, mais elles ne sont pas en fait, elles sont tout le temps en surface. Bah, sérieux, ça nous arrange plutôt. Ouais, bah, enfin, il faut voir une fois la queue majestueuse, blanche. Je comprends. T'es jamais au bon endroit. Et on a trouvé une technique souvent qui est. T'attends, tu te poses là. Nous, ça nous est arrivé de rester plusieurs heures. Tiens, regarde, on a vu la pelvienne bien blanche là. T'as vu, dès que tu mets un peu de monnaie, t'as les baleines à la sortie. Vous avez payé, baleine. Rien à dire. La Louise taille sa route dans la baie de Disco, guidée par Lucie, l'équipière de Thierry. Enregistrée au régime des navires d'utilisation collective, avec ses 19 mètres de long pour un déplacement de plus de 40 tonnes à vide, la Louise doit être menée par au moins deux hommes d'équipage pour se conformer au règlement.
Ce n'est pas pour déplaire à Thierry, mais être seul en mer, il connaît. Il y a dans son sillage 10 ans de course au large en solitaire. On est en 96, j'ai 29 ans, je suis le benjamin de la course. Je suis au départ du Vendée Globe. Bon, à la bourre, fatigué, parce que projet chaud, quoi. Qui monte tranquillement parce qu'on est sollicité à droite, à gauche, mais que j'aimerais bien continuer à bricoler sur mon bateau avec mes gars. Et... Il faut se partager entre tous. Le bateau, j'avais confiance, j'avais quand même, si on était à ma 3e saison avec, c'était pas un coup de dernière minute, donc ça c'était bien. Bon, mais ric-rac financier faisait que un peu tard de partout, quoi. Mais gros plaisir d'y aller, quoi. Chaque moment, une fois que le coup de canon est donné, sont des bons moments, quoi. Le début de course de Thierry se passe au mieux, mais la première galère arrive très vite. 2 jours après le départ, il heurte un container. C'est pas trop mal passé jusque là, sauf que là je fais demi-tour. J'ai explosé le bateau, je sais pas, je me suis battu toute la nuit avec une voie d'eau et bah là maintenant qu'il fait jour, j'ai vu où c'était, quoi. J'ai un gros délaminage à l'avant, comme pont. Thierry revient au Sable d'Olonne, repart une semaine plus tard. À l'entrée de l'Atlantique Sud, nouvelle collision, cette fois avec une baleine. La mèche de son safran tribord a explosé sous le choc. Nouvel arrêt et nouvelle réparation, cette fois à Cape Town, Afrique du Sud. Et je rattaque là l'Indien, et à nouveau, c'est que du bonheur, parce que chaque jour de plus dans l'Indien, je découvre quelque chose. Et tout est nouveau pour moi. Puis voilà, et je rattrape à nouveau la queue de la flotte. Pour la deuxième fois. Et au moment où je commence à mettre le clignotant pour doubler, y a cette grosse tempête qui arrive, qui est prévue, et puis il y a surtout cette mer énorme qui, elle, n'est pas prévue. Je vois bien de temps en temps, quand je suis en haut d'une vague, j'en vois d'autres encore plus hautes ou qui déferlent. Ça donne pas envie de traîner à l'extérieur parce que je me dis s'il y en a une qui me tombe dessus. Et puis c'est ce qui finit par arriver, il y en a une qui me tombe dessus. Sauf que moi je suis enfermé à l'intérieur à ce moment-là. Et ça retourne le bateau, quoi. Donc un chavirage complet, 360 degrés. Bien sûr, le mât ne résiste pas à ce traitement-là. Et le bateau se redresse tout de suite, mais le mât cassé, quoi. Pour moi, je suis pas du tout en détresse à ce moment-là, je suis juste en. En attente de conditions un peu meilleures pour mettre mon gréement de fortune et puis route Australie, quoi. Une nuit se passe et en fait, 36 heures plus tard, rebelote. Sauf que là, c'est pas le même chavirage, c'est un chavirage plus lent, en travers à la vague. Et là, le bateau, il part à l'envers et il y reste, quoi. Plus question de transiger. Thierry déclenche sa balise de détresse. Il espère être récupéré par un autre concurrent, l'anglais Tony Bullimore, qu'il savait dans les parages. Si je déclenche la balise de détresse, ils vont peut-être comprendre, ils vont peut-être pouvoir m'envoyer quelqu'un. Sauf que le Bullimore en question, lui, il vient de perdre sa quille et il est sur le toit aussi, quoi. Et donc, lui, il se dit la même chose, quoi. Il dit que je vais peut-être venir le chercher, mais là, on a l'air bêtes tous les deux. Donc mon idée était de sortir la balise Sarsat et de re-rentrer. Je suis sorti et, toujours par précaution, je me suis dit « Ouais, mais si je sors et que j'arrive pas à re-rentrer, il vaudrait mieux que j'aille mon matos de survie avec moi. » C'est pour ça qu'il était dehors, que je le sors. Sauf que dès que je suis sorti, pourtant je l'avais amarré, le matos de survie, le radeau s'est mal gonflé et amarré au conteneur, tout ça s'est transformé en encre flottante. Du bateau retourné et ça a cassé, quoi.
Privé de tout matériel de survie, sauf sa combinaison qu'il a enfilée depuis longtemps, Thierry s'accroche comme il peut au safran, seul point d'appui que lui offre sa coque retournée. Heureusement, un avion de la marine australienne arrive. Une autre aventure commence. Largage de radeaux à plusieurs reprises, jusqu'à ce que y en ait un qui réussisse, qui passe pas trop loin. La connerie, c'est que comme j'avais pas moi une longue ligne flottante pour pouvoir nager, mon boot il me gênait pour nager, parce qu'il coulait et qu'il n'était pas assez long. Et donc je me largue en disant il faut que je le chope, il est tout prêt. Et à ce moment-là, déferlante, et le bateau se barre. Quoi. Mais l'idée était surtout pas d'abandonner le bateau. C'était un très bon abri, le bateau. Le bateau d'un côté, vite inaccessible, de l'autre un radeau de survie qui se détruira littéralement sous lui. Voilà Thierry devenu poisson au milieu de nulle part. Statistiquement parlant, quand tu te retrouves à faire de la natation par 53 sud à cet endroit-là, il y a peu de probabilité de s'en sortir quand même. Il y a quand même 3000 km pour aller jusqu'en Australie, à la nage ça fait un peu long. Il y avait l'Antarctique plus près mais plus frais. Mais là pour moi, le bilan était déjà fait. Hein. Sauf que j'ai jamais baissé les bras, ça m'a pas fait flipper plus que ça. Quoi. C'était peut-être mon tour, de toute façon, il n'y avait pas de raison de s'affoler. Hein. Il fallait que j'accepte la règle du jeu. Le PC de la course à Paris est suspendu aux nouvelles envoyées par les secours australiens. Elles ne sont pas toujours très bonnes. L'angoisse est de mise, les sauveteurs évoluent eux aussi sur le fil du rasoir. Au dernier passage, j'étais dans l'eau et le radeau était retourné plus loin. Je me suis dit, si ça se trouve, ils laissent tomber. Quoi. Je les ai pas revus ce soir-là. Et en fait, après, ils m'ont expliqué, ils étaient tellement à court de carburant qu'ils ne pouvaient pas refaire un passage. Mais ils avaient bien vu que j'étais dans l'eau, à côté du radeau. Enfin, pas très loin. Mais là, ils ont croisé les doigts pour que j'arrive à remonter à bord. Quoi. Et c'est seulement le lendemain matin que, comme moi, on a été rassurés. Quoi. Eux, ils m'ont retrouvé dans le radeau et moi, j'ai été content de les voir revenir. Trois jours dans un radeau à cet endroit-là, t'es sûr de rien. Hein. Vu que t'en as déjà consommé quelques-uns des radeaux, tu sais très bien que ça peut recommencer, exploser. Il y avait un jour d'accalmie, ça je le savais, et je savais que ça rebastonnait derrière. Le dernier 24 heures, la dernière nuit, elle a été raide. Et même pour eux, pour venir m'élitroyer le lendemain matin. Ce Vendée Globe 96-97, avec ses chavirages, ses sauvetages épiques, mais aussi son drame avec la disparition du Canadien Jerry Roof peu avant le Cap Horn, reste à ce jour la plus dure des 8 éditions déjà courues. Ceux qui l'ont vécu font partie à jamais de la légende de l'épreuve. Je ne suis pas devenu mystique, je ne suis pas parti à Sainte-Anne à quatre pattes poser des cierges, voilà, je m'en suis sorti. Ils m'ont envoyé voir un psy qui m'a vu qu'une fois parce qu'il a jugé que je devais être irrécupérable. Je pense que le résumé, c'est vas-y, retourne, il n'y a que ça à faire. Des eaux froides de l'océan Indien aux eaux froides du Groenland. Choc! S'il n'est pas mystique, on peut dire que Thierry Dubois a de la suite dans les idées. Avec la Louise, pas question d'emprunter les autoroutes de la mer. Les navigations doivent garder une vraie saveur. Il y a eu une réflexion plus sur où est-ce que moi j'ai envie d'aller personnellement, mais en même temps, il faut être un peu réaliste. Si ça doit être mon métier, il faut que ça vive un peu commercialement. La Patagonie, c'est très bien, mais il y a déjà des bateaux à y travailler. Et c'est loin. La Norvège, c'est plus près de la France, mais il y a déjà du monde à y travailler. Spitzberg aussi. Voilà, et puis en regardant un peu, peu d'offres sur certains coins, ça a l'air d'être moins connu. Et il y avait ce côté, clairement, si c'est juste aller faire un copier-coller, essayer de me mettre en concurrence avec des bateaux qui sont déjà... Non. On va pas dire qu'on partait à l'aventure, mais le côté je découvre une nouvelle zone, j'essaye de la connaître et de la faire connaître après à mes passagers, il y avait de ça.
celui-là, il va être pas mal quand il va s'écrouler. Là. Ah, il est beau, hein, celui-là. Hein. La falaise bleue, là, c'est magnifique. Hein. Celui-là, il est tout basique à côté. Hein. Ouais, mais il est beau quand même. Hein. Oh, ouais. Là, il a un côté simple. Regarde encore le turc. Celui que j'avais skié l'année dernière, c'était un peu la même taille, mais donc il était plus bas pour que je puisse monter, mais il avait un peu la même butte et j'avais skié dessus. Les voiliers qui montent aussi haut dans les latitudes nord se comptent sur les doigts d'une main. Et la Louise est bien la seule à proposer de telles navigations au milieu des icebergs. Les icebergs font leur premier pas en cette baie de Disco. Ils viennent juste de se décrocher de la calotte glaciaire. Leur présence est garantie, le spectacle parle de lui-même. Construite comme une forteresse pour naviguer en milieu hostile, la Louise a été dessinée par l'architecte Nigel Irons, suivant un cahier des charges ultra précis, établi par Thierry. Son gréement de goélette, fort rare à notre époque, a été un important point de départ. C'est un gréement que je dessinais beaucoup. Je suis resté, je pense, assez fidèle à ma conception de bateau. Je dessinais pas des bateaux de course. J'ai l'impression que je l'ai toujours eu dans un coin de la tête, ce bateau-là. Quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de courir, parce que il y avait bien un moment où il faudrait que je le fasse, ce truc-là. Quoi. Et c'est pas. Là, c'est pas juste un passage, un épisode. Quoi. Là, je prolonge un truc et puis ça va durer un bon moment. Quoi. À l'automne 2004, Thierry Dubois attaque la construction de la Louise. Sur la ria d'Etel, un hangar ostréicole désaffecté fait l'affaire. Thierry a planifié quelques 23 000 heures de main-d'œuvre. Pendant 6 ans, retentira le bruit propre à un chantier naval. J'ai fait le choix d'un chantier long en toute petite équipe. Je voulais pas me presser, je voulais pas gérer une grosse équipe. Je voulais prendre le temps de poser un peu le sac à terre. Je venais de finir un troisième tour du monde, c'était pas pour repartir tout de suite. Donc, ça me posait pas de problème que ça dure un peu. Un travail de longue haleine commence. Les couples en bois de Sapelli, un bois d'Afrique proche de la Cajou, sont mis en place. Toute la structure de la Louise est réalisée en lamellé-collé. La coque a, elle, été construite selon la méthode dite du strip planking, soit du bois moulé recouvert de tissu de verre. Ce mélange du composite, technique un peu moderne, où on mélange des fibres, de la résine dans différentes directions. Bon, bah là, c'est la même, sauf qu'en plus, il y a des fibres de bois. On utilise plusieurs plis de bois, on choisit les directions. Donc, pour la partie coque-structure... Il y a un petit côté moderne quand même, tout en utilisant ce matériau dit noble qu'est le bois. Et après, côté intérieur, bah, c'est le plaisir de repartir sur cette structure bois pour faire un aménagement agréable à vivre, chaleureux. Je voulais pas faire au plus simple, au plus vite. Quoi. Ouais, je voulais un bel objet. Le bel objet répond aux attentes de son skipper. Son savoir-faire, son sens marin sonnent aujourd'hui comme une évidence. Thierry n'a pas brûlé les étapes pour les acquérir. Il a appris le métier à sa source, en fréquentant les écoles de voile des côtes bretonnes. Je naviguais depuis tout petit avec mon grand-père, qui m'a fait tirer mes premiers bords et qui m'a expliqué comment marchait un voilier. Son frère était marin-pêcheur. J'ai pu côtoyer un petit peu ça, cette idée de la mer qui n'est pas qu'un lieu de loisir, ça tout petit. Après, j'ai navigué à différents endroits, toujours en loisir, puis de plus en plus en Bretagne, en école de voile. Puis de stagiaire école de voile, je suis devenu moniteur, chef de bord en école de croisière. Navigation, croisière, gestion du bateau, mais aussi école de vie. Hein. C'est de la responsabilité quand tu es encore mineur et qu'on te confie un bateau, un groupe de stagiaires et que tu les emmènes pendant une dizaine de jours. On t'a filé un budget, c'est toi qui gères les appros, la bouffe.
La sécurité, tu es le responsable de ces gens-là, tu dois les ramener. Je veux dire, nos chefs de base nous déléguaient et nous faisaient vachement confiance, nous apprenaient beaucoup de choses, nous remettaient les points sur les i de temps en temps. C'était pas nous, on n'était pas en vacances, hein, on était au boulot. Mais on apprenait la base de la navigation. Je pense que j'en ai gardé pas mal de morceaux. T'avances sur bâbord et tu vas revenir te mettre parallèle à lui face au rocher. Vas-y mollo par là. Mais pars pas trop loin pour avoir la place de faire ton demi-tour. Quoi. Découvrir de nouveaux paysages, seulement accessibles par bateau, est l'essence même de la croisière. Ici, sur l'archipel de Kissiswarsut, avec son petit hameau de 100 habitants, on plonge au cœur du Groenland. Chaque village a une boutique comme ça, c'est les restes du système d'État danois, où ils faisaient en sorte que chaque village ait la petite supérette, bazar qui fait tout, avec des prix bloqués sur les trucs essentiels. Puis en même temps, ça fait le téléphone, la poste. Là, y a un bateau qui passe deux fois par semaine ici. Sur ces archipels, les activités sont ancestrales. La pêche, bien sûr, à l'exemple de ces doubles cornes de narval. Ces doubles défenses en ivoire sont assez rares chez ce cétacé, surnommé la licorne des mers. Est-ce que tu crois qu'une défense d'éléphant, c'est poli ? Ici, malgré un prix potentiel élevé, elle sèche aux yeux de tous. Le vol sur ces îlots perdus est inexistant. Eh, le toréador, il fait pas le malin. C'est assez marrant parce que c'est un peu... L'autre grande activité est la chasse, avec des séchoirs ou faisant de la viande de renne, de bœufs musqués, sous l'œil des chiens de traîneau, au chômage depuis déjà plus de 3 mois, avec la disparition de la banquise. Après les nuits sans fin, place aux jours qui n'en finissent pas. Le soleil de minuit est bien une réalité, avec un astre encore très haut, malgré le changement de jour. Comme on est au nord du cercle polaire, là on est à 69 degrés nord, et qu'on est quelques jours après le solstice d'été, on est fin juin, donc on a pour plusieurs semaines ce qu'on appelle le soleil de minuit en bête disco, c'est-à-dire qu'il ne disparaît jamais sous l'horizon. Là il est effectivement à son point le plus bas, il est encore largement visible, tout comme au milieu de la journée, on a une rotation par le sud, là, au milieu de la nuit, on a une rotation par le nord. C'est cruel ce que tu fais. Après, il s'avère qu'il y a effectivement cette ambiance un peu particulière créée par le fait que du mois de mai au mois d'août, je ne vois pas la nuit. Quoi, hein. Donc, moi, ça ne me perturbe pas plus que ça. C'est vrai que des gens qui viennent pour quelques jours, ça les perturbe un peu et puis ça les impressionne. Nous, on est un peu habitués. Cela étant, ça a un côté très agréable quand tu navigues, par contre. Ces ambiances sont bien la récompense d'un travail entamé dès la fin de l'adolescence. Ses études bouclées avec un simple baccalauréat en poche, Thierry quitte définitivement sa banlieue parisienne avec la ferme volonté de vivre de la mer. J'ai fini par m'installer dans le Morbihan pour y travailler dans l'ostréiculture. Donc là, j'ai côtoyé un autre monde maritime, professionnellement, puis chantier naval, maintenance, construction. Et là, à partir de là, j'ai commencé à approcher les bateaux de course, quoi. Comme beaucoup d'autres à la fin des années 80, Thierry a goûté aux joies des navigations sur les multicoques de course large. Débrouillardise, savoir-faire et passion étaient plus que de rigueur. Il avait été engagé par le Normand Paul Vatine en tant qu'équipier préparateur. C'était dans une équipe, pas trop grosse, et voilà, savoir faire évoluer avec un budget raisonnable un bateau, ça c'est quelque chose qui m'a toujours servi, quoi.
faire en fonction de ses moyens, et le but étant d'amener au départ de la course un bateau prêt, pas forcément suréquipé avec tout le dernier cri, mais ce qu'il y a à bord, ça doit bien fonctionner et ça doit être homogène, et homogène par rapport au skipper qui l'utilise. Ça, c'était une bonne école aussi. On a un souci ici, on a pas mal de zones peu ou pas cartographiées, des grosses erreurs sur les cartes, des erreurs plusieurs centaines de mètres. Donc ça oblige à naviguer très prudemment. Puis petit à petit, en fait, on se fait aussi nos chenaux, nos marques de mouillage. Ces petits endroits un peu secrets qu'on n'a pas trop envie de refiler aux autres, bah oui, c'est un plaisir et c'est un plus qu'on offre à nos passagers. C'est un peu à la demande aussi de ce que veulent faire les personnes qui viennent à bord. Génial, on va faire de la morue. Yes! Allez, une petite brandade là pour bientôt. Malgré ses 40 tonnes de déplacement à vide, la Louise joue volontiers les jeunes filles dès que le vent est au rendez-vous. C'était un point important du cahier des charges. En octobre 2006, les navigations à son bord sont encore toutes théoriques, mais cette date est importante. Après 2 ans de chantier, la coque de la Louise est fin prête. Il faut maintenant la retourner pour pouvoir l'aménager. Le jour où on retourne le bateau, on ne le casse pas. Donc c'est que ça tient la structure déjà. Non, je sais qu'il y a encore de longues heures. Mais à ce moment-là, voilà, on est dans un timing correct, ça suit son cours. Toute la difficulté du chantier, elle est venue des problèmes de financement qui font que j'ai été obligé de ralentir le chantier en cours de route, travailler seul, et forcément là sur un engin comme ça, c'est compliqué de travailler seul. J'en découvrais un peu régulièrement hein, des nouveaux problèmes, mais moi c'est ce que j'aime dans le chantier, dans la construction. Il ne faut pas que tout soit facile et écrit dès le début. Résoudre des solutions techniques en termes de construction, en termes d'équipement, c'est ce que j'aime. Le début des aménagements de la Louise marque une grande étape de sa construction. Dans la vie de Thierry, il y a également une date clé, sa participation en 1993 à sa première course en solitaire sur l'Atlantique Nord, la Mini Transat. Moi, j'avais rêvé de Mini, mais rêvé dans le sens, ce n'est qu'un rêve. C'est, je regarde les autres la faire, je lis les magazines, je trouve ça fabuleux. Chapeau les gars, quoi. Mais jamais je me disais, je vais y aller. La Mini Transat, la grande affaire pour tous les marins en quête d'aventure. Cette course, créée en 1977 par l'anglais Bob Salmon, réservée à des bateaux de seulement 6,50 m de long, prend à chaque édition un peu plus d'envergure. Quand Thierry prend le départ en 1993 sur son Mini Amnesty International, ils sont 59 sur la ligne de départ. Thierry gagne haut la main cette 9e édition qui restera sur bien des points dans les annales. Cette Mini, elle est un peu particulière. Il y a cette première étape, baston, annulation de la première étape. Moi qui n'entends pas le message qui demande au coureur de revenir. Je continue, j'ai aucune info, mais moi ça ne me surprend pas. Et puis de toute façon, je suis en solitaire. Voilà, ça ne me pose pas de problème, quoi. Et donc, bah, j'arrive à Madère, personne, j'entends personne. C'est vachement surprenant, quoi. Là, bon, ça fait 11 jours que je suis à lutter dans le baston, j'ai fait que du prêt. Ça a été la lutte. C'est là que tu vois un peu tes limites. Et tu te dis, putain, je dois être barré total. J'ai mal lu les instructions de course. L'arrivée, c'est pas du tout à Madère.
J'ai rêvé, c'est aux Canaries comme avant. Enfin là, tu te dis, putain, j'ai fait n'importe quoi. Je vois juste deux communiqués affichés sur la façade du club de voile, le petit club de voile à Funchal. Là. Annulation de la première étape, les concurrents doivent faire demi-tour. Donc le communiqué, il date d'il y a une semaine. Quoi. Et puis surtout un deuxième communiqué qui dit Pascal Laisse y rester. Quoi. Un pote contre qui je courais, qui naviguait dans le même quartier que moi, a priori. Là, c'est pourtant je les aime mes bateaux, mais là je suis tellement ratatiné que je peux pas retourner dans mon bateau roupillé. Quoi. C'est, faut que je trouve un hôtel. Et là je suis en train de palabrer au milieu de la rue, donc au milieu de la nuit sous la flotte, et arrive Dominique Bourgeois de l'organisation qui m'alpaille et qui me dit viens par là, je vais m'occuper de toi. Voilà, donc c'est sûr que déjà cette partie-là de la mini, elle est un peu étrange. Là, ça passe sans problème. T'évites ça, hein, ouais, comme ça. Ouais. Si tu peux éviter, je préfère. Mais alors là, il est tout petit, rien à faire. Ouais, j'essaye de pas du toucher, c'est un jeu, quoi. Tu vois, on va partir devant. Droit et puis, devant, là. Voilà, ouais. Droit devant et okay. On abattra un petit peu après, peut-être pour aller entre les deux. Pas de souci. Eh bien, on va tenter de rejoindre Atasand. C'est un passage derrière une île qui amène à d'autres fjords. On trouve 2-3 très beaux glaciers. C'est un autre spectacle encore. Ça donne pas des gros icebergs, mais par contre, c'est très haut et ça fait des chutes de glaçons. Alors, la question, c'est qu'on est en début de saison et pour l'instant, déjà, pour aller à Atasand, il y a beaucoup de glace. Est-ce que là-bas, on arrivera à passer? On verra. Avec sa gueule de marin du grand large, habitué à vivre de longues plages de solitude, se cache une personnalité très à l'écoute du monde. Prendre soin de la planète, se soucier de son prochain, sonne comme des évidences pour Thierry. Lorsqu'il était coureur, ses bateaux ont toujours porté le nom d'une association à vocation humanitaire. Son mini Transat n'avait pas échappé à cette règle. Moi, je veux que mon projet serve à faire avancer le Schmilblick. Voilà, je voudrais filer un coup de main à une association, mais pas juste être le porte-drapeau d'une boîte privée ou d'une marque. Le deal était très simple quand j'ai été frappé à leur porte, c'est voilà, je vais faire la mini. C'est une course à la voile à travers l'Atlantique. Je ne vous demande rien, je vous demande juste si ça vous intéresse, que je vous offre le nom du bateau. Vous aurez le nom, les couleurs, et moi je me débrouille pour financer. Si je peux trouver quelques copartenaires qui veulent m'aider à faire ce projet, bah tant mieux, sinon quoi qu'il arrive, j'y vais. Voilà comment ça s'est fait au départ. Pendant 10 ans, il a été un des ambassadeurs d'Amnesty International. Le respect des droits de l'homme est un combat pour lui fondamental. J'avais déjà un truc que tout le monde n'a pas, c'est la liberté de circulation. Ça, c'est quand même un truc dans les droits fondamentaux qui est pas mal. Moi, j'ai la chance de vivre en France, en Occident, si on veut. Si on a ça, c'est parce que des gens avant nous ont œuvré, milité, combattu pour cette liberté. Ensuite, deuxième chose, j'avais entreaperçu que bah, quand tu es sportif professionnel, tu as accès au micro, tu as accès au public, aux médias, tu as la liberté d'expression. Ah, ça, c'est pas inintéressant. Tiens, pour parler d'une cause, puisqu'on a cette liberté d'expression, bon, je peux profiter de passer à la télé pour faire coucou aux copains, mais je peux aussi en profiter pour parler d'autre chose que purement de mon bateau. Amnesty International, son premier 60 pieds, a terminé sa vie au cœur de l'océan Indien lors du Vendée Globe 96-97. 4 ans plus tard, Thierry est à nouveau au départ de la course sur un 60 pieds qu'il a cette fois lui-même construit. La philosophie liée au projet n'a pas changé pour autant, elle a juste évolué. On a appris ce qu'il fallait faire, pas faire. On a vu ce que ça faisait d'être amalgamé dans le charity business. Moi, j'avais le sentiment de ne pas faire du charity business.
J'ai pas fait naviguer un bateau pour les droits de l'homme par défaut parce que je trouvais pas de budget, j'ai fait par choix. J'avais des partenaires qui me soutenaient pour ça. Mais forcément, quand au même moment, il y a des retentissants scandales, type l'Arc ou autre, on en prend plein la gueule, quoi. Ah ouais, c'est sympa, Amnesty paye pour qu'un mec aille naviguer. Non, Amnesty paye pas, on offre. Et c'est comme ça que le projet a évolué et qu'après, on a retiré du devant de la scène le nom de l'association, Amnesty International, pour pas qu'il y ait de confusion. Le but, c'était pas la promo d'Amnesty, c'était bien la promo des droits de l'homme. Je le faisais avec Amnesty. Et c'est comme ça que le projet a évolué vers le projet droits de l'homme autour du monde et que le dernier bateau qui a couru s'appelait Solidaire. Mais c'était bien le même projet. En l'an 2000, Thierry attaque son deuxième Vendée Globe. Il ne fait pas partie des favoris, joue dans la belle case des outsiders. Le sort s'acharnera une nouvelle fois sur lui. Il est encore contraint à l'abandon après avoir négocié cette fois avec succès sa navigation dans l'océan Indien. Ce sera sa dernière participation au Vendée Globe. Ne pas avoir bouclé la boucle n'a rien à voir avec une décision prise bien plus tôt. La décision a été prise très précisément dans l'heure qui a suivi le départ du Globe 2000. Une fois que tu te retrouves en face de toi-même avec ton bateau et que tu te dis bon allez c'est parti pour le Globe. Et là j'ai eu, j'ai dû me retourner un tout petit peu en arrière et me dire bon alors ça a été encore 4 ans à bloc, à porter un projet à bout de bras, c'est usant, faut pas que je passe à côté des autres trucs que j'ai à faire. Donc j'ai dit bon bah voilà, j'arrêterai à l'issue de Randalone 2002-2003 que je veux vraiment faire, qui est vraiment bien pour le projet. Et voilà, j'arrêterai là, et puis ça fera 10 ans de course au large et puis ça sera bien comme ça. Dans ces années-là, quand il n'est pas en mer ou au chevet de son bateau, Thierry se déplace en France d'école en école pour parler aux enfants de la mer des libertés fondamentales. Toutes les entreprises qui donnent de l'argent pour que le bateau navigue pour les droits de l'homme. Et puis il y a vous aussi. Solidaire, c'est aussi vous. On l'a fait tous ensemble, ce projet. Et c'est pour ça qu'on l'a écrit comme ça. Ces messages, il les portera également à l'étranger lors de sa participation à une course de l'Europe ou lors du Bog Challenge. Thierry finira deuxième de ce tour du monde en solitaire avec ses escales en Afrique du Sud, en Australie, Nouvelle-Zélande, Brésil, États-Unis. Ce sera, comme il l'avait prévu, sa dernière course au large. Alors c'est étonnant parce qu'on devient difficile au troisième tour du monde. On se dit, oh bah ça on l'a déjà vécu. C'est pas qu'on est blasé, mais... Mon premier globe, c'était la découverte tout le temps. Pourtant, je finis en radeau de survie, mais c'était une découverte aussi. Mais chaque jour, on m'amenait quelque chose de nouveau. Au troisième tour, bah, t'es déjà passé par là. T'as déjà vécu ça. Donc, mais il y a des bons moments. Et à côté de ça, bah, tu finis et puis tu te dis, ma dernière nuit en course, la dernière étape de Randalone, c'était une nuit pourrie. Bah, au moins, c'est ça, la course au large. Bon, et puis voilà, et puis tu franchis la ligne, tu arrives, tu vas boire un coup au bistrot avec les collègues, et puis voilà, ça y est, c'est déjà du souvenir. Ça a son charme. Pendant sa vie de coureur, Thierry a toujours été très impliqué. Il a présidé la classe mini de 1995 à 1999, avant de prendre les rênes de la classe IMOCA pendant un an. Si avec la Louise, il évolue aujourd'hui bien loin du petit milieu de la course au large, il n'en reste pas moins un passionné. C'est
sûr que je ne suis pas complètement d'accord avec la façon de fonctionner de certains. Je sais pas, je me suis battu pour des associations de classe, pour le collectif. Et chacun pour sa gueule, du moment qu'on peut contourner le règlement et niquer les autres, c'est pas mon truc, quoi. Faut pas oublier que quand t'es dans le sud, t'es éloigné de tout. Si toi tu joues avec un bateau un peu trop extrême et que ça casse, et ben c'est tes petits camarades qui doivent venir te chercher ou d'éventuels sauveteurs, mais c'est pas toujours le cas parce que c'est pas possible. Et donc ça engendre, tu t'impliques les autres, quoi. Et ça, par contre, ça, je pense que de temps en temps c'est un peu oublié, quoi. Que c'est un collectif qui part autour du monde. Même si chacun est en solo, c'est un collectif pour les raisons de sécurité. Donc celui qui fait le con, celui qui pousse trop loin, il implique quelque part les autres, si ça tourne mal. Et c'est là que le chacun pour sa gueule fonctionne pas. Entre ses habits disparus en mer, ses péripéties lors de ses navigations autour du monde, Thierry a toujours été très à cheval sur la sécurité passive comme active. Pas question de monter sur l'annexe sans enfiler un gilet autogonflant, même si la mer est plate comme un lac. Si pour vous la sécurité et les accidents en mer, c'est ça n'existe pas, je veux pas voir, vous partez à l'envers, partez pas en mer. 98% des gens naviguent quand même sur des bateaux qui coulent, et qui coulent très vite. Et on n'a pas le matos qui va avec. Et dit non, mais je navigue pas dans l'eau froide. Ouais, ça dépend quelle notion. Il n'y a pas besoin de venir ici pour avoir de l'eau froide et être en hypothermie et finir par faire son trou dans l'eau. Je veux dire, le golfe de Gascogne, c'est frais, même en été, si tu dois y rester un peu longtemps. C'est des trucs curieux. J'ai pas l'obligation d'avoir des combinaisons de survie à bord. Alors que je suis un bateau professionnel qui va dans les eaux froides, qui emmène des passagers, ça me semblait complètement dingue de faire abstraction de ça, quoi. Donc oui, il y a un budget de 6000 euros de combi de survie à bord, mais je vais quand même pas prendre le risque. Même si j'ai essayé de faire un bateau où on finit pas à la nage ou en radeau de survie, j'espère bien que ces combis de survie, jamais elles serviront, mais c'est un budget. Je me vois pas emmener mes deux gamines sur mon bateau dans ces coins-là sans avoir acheté les combis de survie adaptés à leur taille. Elles grandissent, dans 2 ans, je vais devoir en racheter, c'est un budget. Mais pas le droit de faire abstraction de ça, quoi. Des souvenirs de mer, Thierry en a plein la tête. Des bons, bien sûr, les mauvais, il les a enfouis tout au fond de lui. Ça m'a jamais fait faire de cauchemar, c'est pas un mauvais souvenir, c'est une expérience. Par contre, il y a peut-être des gens qui ont un peu de mal à me comprendre, quoi. Parce que j'ai vécu un truc un peu à part et ça demande un peu de me connaître peut-être pour essayer de cerner mon fonctionnement et les travers de mon fonctionnement. Il y a un lien avec mon mode de fonctionnement et entre ce que j'ai vécu. Perfectionniste, pointilleux, qu'importe le terme employé. Thierry ne fait jamais les choses à moitié. Sur ses bateaux, tout doit être parfait en permanence. Pendant que Lucie emmène son petit monde en balade, lui règle les mille et un détails de la vie du bord. Je suis dur et exigeant. Faut se faire du mal, quoi, pour arriver à certaines choses. Je dis pas que c'est la seule solution, mais moi, ma constatation pour l'instant, c'est que parfois, faut passer par des trucs pas faciles pour y arriver. Et maintenant, en plus, avec le recul, je me dis, si j'avais pas procédé comme ça, je serais pas là aujourd'hui. On va les vider et les laisser avec de la glace. Tu veux pas qu'on en fasse cru ce soir, là? Non, mais on va... D'accord. Ouais. Là, j'ai dit une connerie, là. Là, je sens même que j'ai dit une bêtise. Non, mais j'ai de toute façon, j'exige souvent ça, trop pas... des autres. Faut laisser un peu... Alors, en vieillissant, on devient peut-être un peu plus raisonnable, mais... C'est... Quand on est impliqué à fond, on a du mal à comprendre que les autres soient un tout petit peu moins impliqués.
La restauration est à son image haut de gamme et personne n'a le droit de donner le moindre coup de main. Chaque jour, du pain frais fait maison, au menu de chaque repas, une entrée, un plat, un dessert, jamais les mêmes. Thierry peut passer entre 4 et 5 heures par jour dans sa cuisine toujours nickel. Ah oui, oui. Parce oui, en fait, il y a deux. Il y a deux îlots. Ils sont passés par là et après, j'ai entendu. Non, si je te passe. Oui. Du fromage danois. Champignons. Ah, le maïs, il n'est pas très, très local quand même. Mais le pain de poisson avec de la morue locale. Merci. Fameux. La Louise offre la douceur, la chaleur propre aux intérieurs en bois. Ce vrai chalet sur l'eau a rejoint pour la toute première fois son élément le 10 avril 2010. La Louise n'est pas fin prête, mais ce très grand jour marque la fin de 6 ans de chantier, pendant lesquels Thierry n'a jamais baissé les bras. Le chantier, c'était une façon de changer un peu de rythme de vie, d'avoir un peu une vie de famille, de se dire pendant 4-5 ans, je ne repars pas naviguer. Je vais rentrer tous les soirs à la maison, c'était un peu nouveau déjà d'avoir une maison, un lieu de vie commun et j'avais vraiment envie de le faire et je ne regrette pas de l'avoir fait. Je veux dire, j'ai profité, vu mes filles grandir. Et d'autant plus avec le rythme que j'ai maintenant, où je suis quand même parti 7 mois de l'année, je ne regrette pas de l'avoir fait et d'avoir passé du temps au quotidien avec elles. Dix ans de course au large. Avec deux participations Vendée Globe, deux bateaux construits, un 60 pieds Imoca et la Louise, sans oublier sa maison en bois qu'il a également bâtie de ses mains. Thierry a derrière lui un sacré sillage et devant lui un océan de liberté. Ici, les pêcheurs des Lissat, ils vont pas très loin. Pour les passagers de la Louise, le voyage se termine avec un dernier tour dans les glaces le long des côtes du village d'Iloulissat. En toile de fond, le glacier Equy. 7 mois par an, ce glacier débite des icebergs comme un frigo débiterait des glaçons. Ils pêchent des poissons congelés direct ici. Carré, les œufs dans les coins. Findus, c'est ici. Quant aux Inuits, ils sont de sortie. Eux débitent de la morue en quantité impressionnante. Cette pêche reste cependant tout à fait artisanale. Entrée du port d'Iloulissat avec glace raisonnable. C'est un port vachement actif. L'hiver, ils sont pris dans la glace. Presque 150 jours par an, c'est pris dans la banquise. Mais c'est sûr qu'en ce moment-là, dès que ça dégèle, ça turbine à la pêche, quoi. Ils sont cool, plutôt sympas, souriants, ils disent bonjour. Puis voilà, après, maintenant c'est la deuxième saison qu'on vient. Il y a des endroits, ça fait plusieurs fois qu'on passe, ils reconnaissent le bateau. C'est ça qui va être sympa, je pense, au fil des années. Comme on va souvent évoluer dans les mêmes quartiers, c'est pas mal. Un bateau comme j'en avais envie. Conçu, construit par moi, c'est encore mieux, qui est à la fois ma maison, mon outil de travail et qui me permet de vivre et travailler et naviguer dans des régions que j'ai choisies et que j'apprécie. Ouais, c'est la vie dont j'ai rêvé. Dernier soleil de minuit sur les glaces dérivantes devant Iloulissat. Le petit village est endormi, quelques couples profitent néanmoins de ces heures ô combien romantiques. Mais une dernière question, Thierry. Pourquoi ce nom, la Louise ? J'avais toujours imaginé un prénom féminin pour cette goélette.
parallèlement, il y a quelques années, l'un des copains de la bande avec qui on navigue depuis l'école de voile depuis très longtemps décède de maladie. Et il se trouve que lui, quand il parlait des femmes, il disait toujours une Louise, les Louises. Donc, un petit clin d'œil en sa mémoire pour qu'il continue à naviguer avec nous, quoi.